Mais ceux qui disent que non, Aïcha n'est pas reconnaissante, moi je pense que c'est vrai qu'elle doit être reconnaissante, oui, mais Yacouba n'a rien fait dans la carrière ou dans cette histoire. Vous voyez, Yacouba et Adama, c'est le même jour où ils se sont rencontrés qu'il y a eu la vidéo. Vous voyez, c'est ce même jour-là qu'il y a eu la vidéo. Donc ne dites pas ici que c'est Adama ou Yacouba qui a envoyé Aïcha Tremblay au show, hein. Non, 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 Domi partait au village à tout moment. Vous voyez, c'est le jour de la rencontre-là. Le show, et puis c'est quand Domi a dit à Aïcha de trembler, là, c'est qu'il a fait. En fait, c'est le tremblement de Aïcha qui a fait que Domi est connu. Sinon, Domi partait au village, mais on ne le connaissait pas. Vous voyez, Domi partait dans le village, mais on ne le connaissait pas. Aïcha a tremblé, que les gens ont vu la vidéo, okay, ça fait le bim. Même si on me dit que non, qu'Aïcha n'est pas reconnaissante envers Yacouba, bon, ça c'est. Je suis vraiment désolé, quoi. Je suis vraiment désolé, ils n'ont rien à voir avec ça. Et puis quand vous voyez la question qu'on a posée à Aïcha sur le plateau, c'était sur le plateau de. Comment dirais-je, j'oublie un peu l'émission là. En fait, c'était le premier jour où Aïcha est venue au plateau. Devant des caméras, ils l'ont posé la question. Et vous voyez la réaction d'une villageoise, une fille qui ne connaissait même pas la ville. Elle vient d'arriver dans la ville. On pose la question, qui était ton gars? Est-ce que vous voyez? Ça veut dire, non, qu'est-ce que c'est Adama? Qu'est-ce que c'est Yacouba? Qu'est-ce que c'est Adama? C'est une manière de dire que c'est Adama qui m'avait abordé. Ce soir-là, c'était Yacouba qui était mon copain ce soir-là. C'est pas comme si moi, c'est Yacouba qui était son copain. Est-ce que vous voyez? Et puis, bon, quand les gens entendent dire non, que Aïcha n'est pas reconnaissante. Et quand ils sont partis, figurez-vous, quand ils sont partis au village pour récupérer Aïcha, la famille d'Aïcha a refusé de donner l'enfant. Est-ce que vous voyez? Et Aïcha avait le numéro de DJ Domi. Parce que ce jour-là, Emile n'était pas là-bas. C'est DJ Domi et c'est un staff qui est parti chercher Aïcha au village. Et quand ils sont partis, la famille a refusé de laisser les gens. Parce que Aïcha était une villageoise et ne connaissait pas la ville. À la famille qui est sur Live Bénin, abonne-toi pour ne rien rater. Aïcha n'est pas reconnaissante envers Adama et Yacouba. Voici encore un internaute qui vient de se lâcher. Vous venez de voir la vidéo. Famille, c'est-à-dire pour celui qui vient de se prononcer, Aïcha ne doit pas grand-chose à Adama ni à Yacouba, parce que d'abord c'est DJ Domi qui a balancé le beat, c'est DJ Domi qui a demandé à Aïcha de trembler. C'est vrai, Aïcha est partie à ce bal avec Yacouba et Adama, mais là sur le terrain, c'est pas Yacouba ni Adama qui a donné le beat, mais c'est DJ Domi qui a fait le grand taf. Il n'est pas interdit à Aïcha d'être reconnaissante envers Adama ni à Yacouba, mais ce n'est pas une chose obligatoire que l'on s'était senté. Notre famille, vous voulez être au courant de cette affaire, vous voulez suivre les vidéos qui ont traité de cette affaire, alors rentrez dans notre liste de lecture. Il y a toutes les vidéos là-bas. Famille, on continue. Voilà, bonjour la famille, recevez les salutations du guide. Le Yacouba national, la Côte d'Ivoire, l'île de Bonne. L'artiste qui est venu en ce moment, la Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'y a pas mouvement, il n'y a jamais mouvement, et il ne voit pas mouvement. Après le concert d'hier, après avoir rempli la salle, la 4e place du palais de la culture, qui n'est pas donnée à tout le monde, j'aimerais d'abord d'entrée de jeu dire un grand merci à tous ceux qui ont fait les prestations hier, qui sont quittés dans ces différents pays-là, pour venir soutenir le mouvement. À mon frère, Jérôme Basta, qui est à Paris. Mais je suis à ce moment ici, je le vois, le monument du corps, Vassili Tembélé, le Massatière, le Borba, ce Cameroun, tout le village s'abrite. Je te prends des chèvres de sa majesté, l'union qui impose sa suprématie, c'est le Borba, tout le village s'abrite, j'ai mis des gens les vins. J'ai fariné, il a tiré un débat. Pas tout le monde parle mieux que lui, quand tu connais pas. Faut déranger, c'est pas petit le mot. Quand tu s'élèves, toute la terre se met à trembler. De voir la parole, c'est mon roi, c'est mon roi, le roi de vous tous. C'est mon roi. Voilà famille, après son concert réussi, Aputu National n'a pas oublié ceux-là qui l'ont poussé très loin, ceux-là qui ont prouvé leur amour envers lui. Aputu ne l'a pas oublié, il a été chez le roi, roi 12-12, et il a remercié. Vous venez de voir, oui, c'est un concert bien réussi. Pour ceux qui n'étaient pas au concert, franchement, c'est un concert qui a connu de la réussite. Et c'est à cause de ce concert que Bébé Séance a quitté Paris pour venir suivre le concert de Aputu. Même Tucène, le roi 12-12 est venu lui remettre 1 million et le Wourourou du coupé décalé a voulu remettre les 1 million à Aputu National sur scène. Mais Aputu National, avec un grand cœur, a dit à Bébé Séance, c'est pour toi. Oui, c'était fort ce concert. Aputu National a fait fort. Franchement, nous souhaitons bonne suite de carrière à Aputu National. Et famille, n'oubliez pas, abonne-toi pour ne rien rater. On est ensemble.